Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Nous sommes sur la map Turbine, une des maps que j'ai eu l'occasion de tester à la Gamescom il y a quelques mois de ça déjà. Et aujourd'hui, c'est avec une arme particulière que certaines personnes n'utilisent pas, et pourtant, je vous la conseille fortement. Il s'agit du FAL, de la FAL, et plus précisément FAL OSW. Alors on va dire FAL, hein, on s'en fout. FAL. Et ça s'accroche, ça marche très bien, voilà, disons-le comme ça. Ça s'adapte parfaitement au style de la map Turbine, justement. Alors on est en domination, encore une fois, domination qui, je le répète, est vraiment certainement le mode le plus complet de par son nombre de points à réaliser en prenant des drapeaux et son nombre de kills à faire aussi, évidemment, vu que vous allez souvent croiser des ennemis. Et justement, je tenais à faire cette vidéo pour vous parler des maps, de la taille des maps, ainsi que cette arme FAL, justement, et l'arme secondaire que vous venez de voir tirer, le B23R, qui est une sorte de Rafika, donc qui tire 3 balles par 3 balles, et qui est tout bonnement spectaculaire. Alors, petite parenthèse à propos de ça d'ailleurs, ça me fait penser, les armes secondaires sur Black Ops 2, c'est assez étonnant de le dire, et pourtant, elles sont beaucoup plus puissantes qu'on pourrait le croire, et c'est franchement agréable. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais alors, est-ce que dans ce Call of Duty Black Ops 2, on retrouve la fameuse arme violente? Alors, j'entends par là le Colt Anaconda de Modern Warfare 2, le Deagle de Code 4. Honnêtement, pas vraiment. Même pas du tout. Il y a l'exécuteur qui ressemble très 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 fortement à un Colt Anaconda. Et pourtant, pour l'avoir testé, bof, bof, bof. Après, vous vous ferez votre avis, encore une fois. Mais pour l'avoir essayé, j'ai pas trouvé ça... j'ai pas trouvé ça exceptionnel, l'exécuteur. C'est pourquoi moi, pour commencer, j'ai sélectionné le deuxième pistolet dès que je pouvais, c'est-à-dire le TAC-45, et par la suite j'ai essayé ce B23R. De toute façon, moi je vous conseille de tout essayer parce que c'est comme ça qu'on découvre les meilleures armes. Il y a aussi une sorte de G18, un CAP-40, qui est donc un pistolet automatique avec un recul assez conséquent, mais qui est aussi intéressant à utiliser. Bref, vous pourrez essayer ça. Je m'éloigne du sujet. On est donc sur la map Turbine, et croyez-le ou non, c'est certainement la plus grande map du jeu. Alors oui, effectivement, elle a l'air assez grande, mais quand vous comparez Call of Duty Black Ops 2 et qu'on se dit que cette map est grande, alors qu'on la compare à une map de taille Wasteland, Derail, ce genre de map vraiment énorme, on se dit, ouais, c'est pas très très grand pour une grande map, et pourtant... Il faut que vous le sachiez, Call of Duty Black Ops 2 propose des maps vraiment en moyenne, vraiment pas très très grandes. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors je me souviens plus, vous m'excusez si je me répète, hein, je me souviens plus si je l'avais dit dans la vidéo Vector, mais en gros, si vous prenez 10 maps, je pense qu'il y en a 6 ou 7, allez, 5 ou 6 qui sont vraiment petites, une ou deux qui sont moyennes, et une map qui est grande. Au final, c'est comme ça. Et on s'y fait, c'est peut-être le style de jeu qui le veut, mais c'est vrai qu'en moyenne, en majorité, les maps ne sont pas très grandes sur ce jeu. Revenons maintenant sur le FAL, vous avez remarqué, il tire donc au coup par coup, hein, comme n'importe quel FAL qu'on a pu avoir dans les autres Call of Duty, comme dans Modern Warfare 2. Comme accessoire, j'ai actuellement un seul truc, c'est le viseur laser que l'on connaît, le style, finalement, en fait, ça s'appelle pas viseur laser. Le viseur laser, c'est le truc qu'on met sous l'arme pour augmenter votre tir, votre précision de tir au jugé. Moi, je vous parle, pardon, du viseur réflexe, voilà. Le point rouge, le red dot, comme on dit, qui est du style Code 4, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui est vraiment très agréable à utiliser. Et par la suite, lorsque vous l'aurez débloqué, je vous conseille fortement d'essayer, par exemple, la poignée avant, le garde-main, qui vous permet de, assez conséquemment, ça se dit pas, mais c'est pas grave, baisser le recul de l'arme. Il y a plusieurs choses, mais je pense en tout cas que ce viseur réflexe est quasiment indispensable. Après, vous pouvez le voir là, je suis même pas sûr qu'un deuxième accessoire soit nécessaire. Privilégiez plutôt cet emplacement pour une deuxième grenade paralysante, un nouvel atout ou quelque chose. Parce que honnêtement, j'ai testé la poignée avant, c'est cool, il y a encore moins de recul. Mais là, à regarder mon gameplay, je me dis, mais tiens, je pense même pas qu'on en a tant besoin de cette poignée avant avec ce FAL. Alors voilà, comme ça au moins, vous saurez. Alors, vous pouvez le voir, hein, la partie va se terminer, enfin, disons, la première manche, parce que oui, hein, je le répète, désormais, maintenant, c'est deux manches en domination.
Normalement, vous avez vu la vidéo Vector avant celle-ci, donc vous avez eu mes explications. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous faites une petite pause et vous allez voir la vidéo sur le Vector maintenant, ou vous irez après, bref, c'est pas grave. Je regardais un petit peu, tiens, regardez, j'ai débloqué l'aéronef furtif, le fameux hélicoptère invisible qui va pouvoir attaquer les ennemis durant la prochaine manche. J'ai un petit peu les accessoires de l'arme sous les yeux. Alors, je vous le dis honnêtement, moi j'ai vraiment beaucoup de peine avec le viseur de base du Fal. C'est pour ça que j'ai mis ce viseur réflexe. Je regarde un petit peu les autres. Le chargeur rapide, pourquoi pas? Parce que quand on y pense, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps à recharger cette arme. On a la crosse qui vous permet de vous déplacer plus rapidement en visant, une sorte de tracker, hein, l'atout qu'il y avait sur Modern Warfare 3. Ah, je regarde rapidement qu'est-ce qu'il y a. Un silencieux, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Rechercher destruction, pourquoi pas. Pour avoir une approche semi-longue, voire longue distance. Ça faudrait, honnêtement, faudrait tester. Puis pour le reste, alors je regarde un peu, il y a vraiment l'air d'avoir des trucs un peu bizarres. Chargeur grande capacité. Bon, bah ça faut tester encore une fois, mais je pense que ça peut faire mal. À vous de vous faire votre propre idée. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces manches de domination qui finalement, ces deux manches qui nous changent de côté, on ne change pas d'équipe, on a toujours les mêmes personnages, je pense. Mais on change de côté, c'est que si par exemple vous êtes dans l'équipe qui est en train de complètement se faire exploser et que vous êtes coincé sur votre drapeau, eh bien, rassurez-vous, à la manche suivante, à la deuxième manche, vous allez être inversé, la tendance va être inversée. Et si par exemple, je dirais, le côté duquel vous êtes est peut-être un petit peu moins favorable à votre équipe, eh bien vous pourrez tenter votre chance de l'autre côté. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a certainement, et les développeurs ne peuvent pas l'éviter, parce qu'au final, si on voulait que les maps soient équitables 100%, il faudrait nous faire un couloir tout long, plat des deux côtés, et voilà. Il y a inévitablement, pardon, un côté qui va être, je dirais, plus ou moins avantageux à être sur une map pour commencer une domination. Après, il s'arrange quand même pour que ce soit le plus équitable possible. Là, moi, je saurais vraiment pas vous dire lequel est le plus avantageux. Et réfléchissons 2 minutes. Si vous spawnez sur C, vous serez certainement plus proche. Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est ça. Ils se sont arrangés. Regardez. Si vous spawnez sur C, en bas de l'avion, vous êtes plus proche de B parce que vous pouvez rapidement rentrer dans l'avion et tenter d'aller prendre B. Alors que si vous êtes sur A, vous avez un avantage, c'est que vous pouvez être sur l'avion et vous pouvez viser les ennemis venant de C. Par contre, pour atteindre B, ça va vous prendre 5-10 secondes de plus et une magnifique petite quadruple avec le foudroiement. Ça fait plaisir. Voilà, vous voyez, suffit de réfléchir un petit peu. Et on se rend compte que c'est mine de rien, c'est quand même réfléchi ce qu'ils font, hein, avec ces maps, je veux pas dire, mais. Ben voilà, ils savent quand même ce qu'ils font. Ouh, la méchante grenade. Tiens d'ailleurs, les grenades. On va en parler des grenades. C'est vrai que. Ouh, la tête. Oh, vous avez vu ça? Oui, je me souviens encore m'être fait la réflexion en jouant. J'ai tiré dans les jambes du type, j'ai fait un headshot. J'ai pas compris. Enfin bref. Vous allez remarquer dans ce jeu, les grenades sont foutument meurtrières. Mais alors vraiment. On peut toujours évidemment les éviter. Vous avez le réticule qui arrive, vous courez vite, vous l'évitez. Bon, d'accord. Mais je dois dire que, comparé aux autres Call of, les grenades sont tout de même un peu plus violentes. Après, il y a les grenades secondaires. J'ai pu tester. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a les paralysantes, il y a les flashs, comme d'habitude, ça je pense que vous connaissez. Il y a. Oula, alors attendez, laissez-moi retrouver le nom parce que je l'ai juste à côté là. Les charges électriques. Alors ça avait intrigué beaucoup de monde dans le trailer de lancement. Il s'agit en fait d'une sorte oui, de petites tiges électriques qu'on lance et qui s'accrochent partout. Et lorsqu'un ennemi marche dessus, eh bien, il se fait électrocuter et il ne peut plus bouger pendant 5 secondes environ. C'est en fait une sorte de grenade paralysante à retardement, étant donné que ça agit un peu comme une clé mort au final. Faudrait que vous testiez. Faudrait que vous testiez, c'est assez marrant à utiliser, ça prend plus de temps à lancer. C'est pas quelque chose qu'on lance dans le feu de l'action face à un ennemi, comme on pourrait le faire avec une paralysante, loin de là. Donc moi j'ai testé ça, j'ai testé la grenade paralysante, la grenade fumigène qui est toujours là et qui peut être utile dans des modes objectifs comme de la domination, démolition, recherche et destruction, que des trucs en on. Voilà. Et alors il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, le Black Hat. Pirater l'équipement et les colis stratégiques des ennemis ou désactiver leurs véhicules.
savez quoi? J'ai le jeu à côté, je vais le débloquer et je vais l'équiper pour tester ça, parce que franchement, j'ai aucune idée de à quoi ça sert. Alors on essayera et je pourrai vous dire plus tard qu'est-ce que j'en ai pensé. Bon, moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fait un joli petit score. J'espère que cette partie, ce gameplay vous aura plu et que mes impressions, conseils vous auront aidé. On se retrouve sur ma chaîne très prochainement. Pensez à laisser un petit j'aime et à vous connecter à votre compte YouTube si ce n'est pas fait. Pour le faire, ça vous prend que quelques secondes et ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut tout le monde. Understood.